suis lancée dans un nouveau mode alimentaire par rapport à une envie de perdre du poids et également par rapport à la prévention de ma santé, qui s'appelle l'alimentation cétogène. Et c'est vrai que, voilà, en voyant un petit peu l'effet que ça avait sur le corps humain, sur la perte de poids, sur le bien-être physique au sens large et sur la santé, j'ai voulu creuser un petit peu plus et je me suis dit, ben, j'ai vraiment envie de comprendre on va dire, l'essence et la nature profonde de la nutrition au sens large. Alors, je l'ai découverte ben, grâce au docteur avec lequel on est en étroite collaboration, le docteur Claude Chauchard. Donc, j'ai par le biais du docteur eu l'occasion de rencontrer Fabrice qui nous a parlé des différentes formations que vous aviez. Et la première pour moi que j'avais envie de tester, c'était celle conseillère en nutrition. J'avais envie de pouvoir comprendre les bases de la nutrition, de l'alimentation dite classique, pour voilà, pouvoir un petit peu orienter les personnes que j'allais coacher par la suite dans mon alimentation. Moi, j'ai cette ambition bah, de pouvoir vivre de ma passion nutritionnelle. Donc voilà, pour moi, c'était la première étape, c'était d'avoir ce diplôme de conseillère en nutrition. Moi, j'ai tout adoré de A à Z. J'avoue que je l'ai dévoré en très peu de temps, tellement voilà, j'avais pas envie de m'arrêter. C'était un peu comme quand on commence une série et qu'on n'a pas envie de s'arrêter après un épisode et qu'on a envie de tout enchaîner d'un coup. Par rapport à cet objectif de vouloir mieux conseiller, mieux accompagner les gens, recueillir beaucoup, beaucoup d'informations d'une valeur voilà, très, très élevée. Il y a beaucoup de choses que je vais pouvoir appliquer, de manière dont je vais pouvoir accompagner les gens. Donc pour moi, vraiment, je ne regrette absolument pas d'avoir fait cette formation. Il y a les lives une fois par semaine. Et je trouve qu'il est vraiment très, très bien organisé. On reçoit des petites fiches téléchargeables. Enfin, vraiment, de A à Z, je l'ai trouvé bien fait, bien organisé. Et c'est pour ça que je le conseille à toute personne. Et je suis très fière d'avoir fait cette formation. Pour moi, c'était juste pour avoir cette crédibilité. Et en fin de compte, ça m'a apporté bien plus que ça. Donc voilà, je suis super contente d'avoir fait cette formation avec un esprit ouvert. Et maintenant, ça me permet malgré tout bah, de pouvoir aussi ouvrir le dialogue et le débat avec d'autres professionnels de la santé.